Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez dans le monde. The Rebirth, Dieu fait toutes choses nouvelles. Épisode 2. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible dans le passage de Ésaïe, chapitre 40, le verset 31. La Bible nous dit que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle sa force, il prend de l'envol comme de l'aigle, il ne se lasse point, il marche, il ne se fatigue point. Alors, nous allons prendre ici trois mots importants. Se confier, la force et l'aigle. On a parlé du renouvellement. On a dit tantôt dans l'épisode 1 que pour être renouvelé, il faut d'abord se séparer. Alors, dans cette séparation, ce n'est pas facile. On passe par des moments difficiles. On passe par des trials. On passe par des challenges. On passe par des moments qui nous font mal. Par des moments où le Seigneur permet que nos cœurs sont blessés. Par des moments où le Seigneur permet que nous puissions passer par des moments amers de nos vies. Où les nuages sont flous, on ne comprend plus rien, mais c'est dans sa volonté, il sait le pourquoi. Alors pendant ce moment, la Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel, donc si tu prends tous ces fardeaux, toutes ces souffrances par lesquelles tu passes et que tu les recommandes entre les mains de Dieu, c'est alors que l'Éternel va renouveler la force et tu prendras de l'envol comme de l'aigle. Es-tu prêt à te renouveler? Il y a une nouvelle dimension qui t'attend, c'est la dimension des aigles. Et pour y arriver, tu dois passer par le feu. Quand tu passes par le feu, ne te décourage pas, confie-toi en l'Éternel. Tiens bien ta ceinture, le meilleur est en train d'arriver. Que le Seigneur vous bénisse.